Naturel de Münchhausen est situé au nord de l'Alsace, à l'embouchure de la Sauer, rivière vosgienne qui se jette dans le Rhin. Avant la correction du Rhin sauvage au siècle dernier, un bras principal du fleuve décrivait une grande boucle qu'emprunte actuellement la Sauer. Le paysage rhénan de Münchhausen attire également comme lieu de pêche privilégié, comme en témoignent ses barques et le maintien de la pêche professionnelle. Ce merveilleux site alluvial se distingue par sa magnifique saulée à saule blanc. Les bras morts ainsi que la Sauer qui la sillonne sont le refuge de plantes aquatiques dont certaines sont très rares, comme les châtaignes d'eau et les petits nénuphars. Le paysage de forêts inondables, où l'on circule en barque parmi les saules, vaste plan d'eau que l'on découvre au sortir d'un chenal, l'atmosphère toute particulière, les jeux de lumière, la vie animale, l'animation des pêcheurs font de ce site un des derniers lambeaux de vie rhénane traditionnelle d'une très grande valeur touristique et paysagère. Cette région de est connue pourtant lieu de rassemblement d'oiseaux en plaine rhénane, comme ici les hérons cendrés. Le héron n'est pas l'ennemi du pêcheur, bien au contraire. Il contribue au maintien de l'équilibre des populations de poissons en y prélevant les malades et les plus faibles. Septembre nous arrive, venu du nord de l'Europe,
les premiers oiseaux d'eau hivernants et leurs effectifs augmenteront pour atteindre environ le chiffre de 100 000 tout le long du Rhin entre Bâle et Lauterbourg. Cette migration massive de canards vers nos régions est due au grand froid qui s'étend en Europe du Nord, en Scandinavie, en Sibérie. Les lacs, gelés, n'offrent plus de nourriture aux canards qui s'en vont de ce fait vers des contrées plus clémentes comme la vallée du Rhin. Ce n'est qu'à partir de la mi-janvier que la migration de retour commencera à s'effectuer et les derniers migrateurs quitteront le Rhin en avril. Le passage massif des migrateurs au début du printemps et à la fin de l'été, plusieurs milliers d'hirondelles et limicoles comme les vanneaux, les chevaliers civins, gambettes, cublans, témoignent de l'extrême nécessité du maintien de cette zone dans son état actuel, comme ici les prairies inondables du Grosvoort, afin que se perpétue le processus migratoire nécessaire à la survie de la vie faune européenne. Du Grosvoort constitue un lieu de nourriture important pour les chevaliers en migration.
Depuis plusieurs années, la station ornithologique étudie les oiseaux dans le but de mieux les connaître et aussi de mieux les protéger. C'est tôt le matin jusqu'à tard le soir que les membres de la station s'emploient à la capture des oiseaux. C'est à l'aide de filets très fins, tendus entre deux perches, plantées dans le sol, que la capture des oiseaux a le plus souvent lieu. Le choix de l'emplacement des filets est primordial. Deux facteurs principaux conditionnent la réussite ou l'échec de l'opération. D'une part, la fréquentation du lieu par les oiseaux. D'autre part, l'invisibilité du filet. Il convient d'ajouter encore deux conditions supplémentaires, le facteur météorologique et le facteur chance qui n'est pas à négliger. Si toutes ces conditions favorables sont réunies, un oiseau passera fatalement à un moment ou à un autre entre les deux perches et restera prisonnier des mailles, comme par exemple le bouvreuil, le rouge-gorge, le pic et pêche, la grive musicienne. Après avoir été minutieusement dégagés du filet, les oiseaux sont transportés dans de petits sacs jusqu'à la station ornithologique où ils seront bagués. Le bagage est l'opération consistant à poser autour de la patte d'un oiseau un anneau métallique sur lequel est gravé un numéro d'identité précédé du nom de l'organisme scientifique émetteur. En France, Muséum de Paris ou Strasbourg. Le bagage des oiseaux en tant que méthode scientifique fut institué à son origine pour tenter de répondre à une question vieille de plusieurs millénaires. Que deviennent les oiseaux qui disparaissent pendant la mauvaise saison ?
Le bagueur espère que l'oiseau qu'il marque sera pris ailleurs au cours de ses déplacements ou à l'occasion de sa mort, et qu'on aura ainsi un aperçu de ses voyages, autrement dit de sa migration. Mais peu d'oiseaux donnent ainsi de leurs nouvelles par la suite. Aussi faut-il en baguer beaucoup pour avoir quelque chance d'effectuer des contrôles qui permettront, ajoutés à d'autres, d'en tirer quelques conclusions. C'est donc un véritable national d'équipe, car les oiseaux ne connaissent pas les frontières, et surtout une entreprise qui nécessite les coordonnées vraiment remis du monde. En 1950, l'utilisation des filets japonais en nylon a permis d'accroître considérablement les possibilités de bagages, procurant ainsi une minutieuse documentation sur leurs déplacements, mais aussi de vie sur leur nichée. L'âge et le sexe de l'oiseau sont soigneusement notés et déterminés par examen du plumage, du bec et des pattes. L'anneau métallique d'un diamètre adéquat étant autour de la patte de l'oiseau, le bagueur s'emploie à mesurer l'aile pliée du poignet à l'extrémité des plumes de l'aile. Après la mesure de l'aile et la détermination des réserves de graisse, c'est le poids exact de l'oiseau qui est recherché grâce à un peson à ressort. Pour ce faire, l'oiseau a été soigneusement enfermé dans un petit sac afin de faciliter l'opération. Toutes ces indications notées sur fiche sont renouvelées dans le but d'établir des comparaisons entre les différentes espèces d'oiseaux. Au terme de cette manipulation, l'oiseau captif est rendu à la nature, porteur de sa bague, véritable plaque d'immatriculation qui n'appartient qu'à lui seul et le distingue de ses semblables. Le pourcentage de reprise des oiseaux bagués est très faible, puisqu'il est de l'ordre de 1%. Il permet néanmoins, au fil des années, d'acquérir des connaissances sur les itinéraires des oiseaux en déplacement, comme ici le merle noir. Ainsi, parmi les dizaines de milliers d'hirondelles baguées à Münchhausen, quelques-unes d'entre elles ont été retrouvées en Afrique noire, comme en témoigne cette carte de migration. Puisse à jamais se maintenir ce site naturel d'importance internationale dont la sauvegarde s'intègre parfaitement dans le cadre des actions menées par le Conseil de l'Europe pour la protection des zones humides.